Bonjour à toutes, bienvenue aux ateliers de Myriam. Aujourd'hui, une petite carte qui est assez générale. C'est une carte pipop, vous devez la connaître dans plusieurs dimensions. Donc, moi, voilà ma petite carte qui se plie. Donc, vous pouvez sans problème l'envoyer. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Évident. Alors cette carte, elle est déjà assez commune parce que bon, je l'ai déjà fait en plusieurs dimensions et elle revient un peu à la mode en ce moment. Donc je l'ai créée avec les petites nouveautés que vous avez trouvées le 4 mai dans le nouveau catalogue. Donc j'ai travaillé avec un nouveau papier qui est vraiment magnifique. Alors, c'est dans les ors, les noirs, les gris souris. Donc, il s'appelle Éloquence simple. Donc, ça, ça fait partie de mes petits favoris de cette année. Parce que notre année, elle commence le 4 mai chez Stampin' Up. J'ai utilisé aussi... un nouveau set de tampons qui s'appelle Quiétude Champêtre. Donc vous pouvez acheter ou le tampon ou avec les découpes qui se marieront très bien avec. Donc nous avons plusieurs fleurs, des tiges, des petites étiquettes, des papillons. Donc voilà pour les découpes que j'ai utilisées. J'ai utilisé juste la classe, pareil avec les découpes, le parfum, les choses comme ça. Je crois que cette carte, elle sera très bien pour une fête des mamans. Et j'ai utilisé les papillons, les découpes, Butterfly Appearance, de ces magnifiques papillons. J'adore les papillons. Bon. Alors... pour commencer, on va faire la base de la carte. Donc, j'espère que vous voyez bien, que je regarde un petit peu de vue d'en haut. Voilà. Alors, elle fait 29,7. Ça équivaut à toute la longueur d'une feuille A4. Elle fait 10,5. Sur 29,7. Donc vous allez faire une pliure à 5 cm, donc il restera 5 cm et demi. Ça sera la base de la carte, ça sera le bas de la carte. Après 10 cm une pliure, 4 cm, 10 cm, 4 cm et ce qui reste, ça sera à retirer. Là où c'est rouge, c'est là où vous allez couper. Donc, on va faire... voilà, j'ai déjà préparé ma petite carte. Et on va couper. Hop. Alors, on garde le plus haut, le plus grand. On le garde pour le bas. Et le... côté où il y a 5, c'est là où on va couper. Alors cette carte, vous pouvez la faire à toutes les dimensions que vous voulez. Il suffit de faire 4 côtés. Donc j'ai choisi en base en rouge. Là, on coupe toujours en biais et cette partie-là. Voilà, on va la retirer.
on va faire nos pliures. Voilà, vous avez la base de votre carte. On va coller comme ceci. Donc on peut déjà, hop, fixer la base de notre carte. Bon, je l'avais fait en tout petit, cette carte. En carré, elle doit être dans les tutos, pas tuto vidéo sur mon blog, mais les tutos papier que vous pouvez télécharger. Normalement, vous avez les mesures. Alors, moi, j'aime bien, c'est arrondir les ongles pour le devant. J'aime bien que ça soit, ça adoucit un petit peu ces petites manies de vieille scrapeuse. On se refait pas. Je trouve que ça fait quand même plus joli. Alors, il vous faut plein de choses. Donc vous allez faire deux petites bandes qui fait 12 cm et que vous allez faire une pliure à 1 cm de chaque côté. Voilà. Après, en découpe, je fais plein de petites choses. Hop, ça m'enlève. J'ai choisi du papier pour habiller votre carte. J'ai fait des petits papillons. J'ai fait une petite bordure. Ben ça, c'est les anciennes bordures. Et j'ai fait mes découpes. Je les ai légèrement peintes à l'éponge. Alors, j'en ai fait en or. J'en ai fait avec un petit peu de copeaux, donc j'en ai fait plusieurs couleurs. J'ai fait mes petites fleurs, bon, embossées en or et puis colorées. Voilà les petits éléments. Une fois qu'on a fait les petits éléments, après la carte elle est rapide à faire. Donc on va déjà commencer. Hop. Aux petites bordures. Vous allez coller comme ceci. Hop. À l'intérieur, en laissant bon, à peu près 1 cm à chaque fois. Voilà, c'est bon. Qui est pratique avec cette dimension, elle va vraiment dans une enveloppe normale, elle rentre très bien dans une enveloppe A5. Vous compartimentez vos petites. Alors moi j'ai commencé à mettre cette petite bordure qu'on va recouper aux bonnes dimensions. Je pense que ça devait être bon.
peu. On va mettre sur le haut. À peu près droit. L'habillage, c'est 4,5 sur 9,5. Toujours enlever 5 mm par rapport à votre support. Et ça, vous vous trompez pas. Et ça va tout seul. Allez, comme j'ai fait mes ongles ronds, je vais habiller. Je vais faire aussi pour l'habillage. Voilà. On peut faire énormément de choses avec ce papier. Je trouve que le papier noir ou gris avec le rouge, ça ressort très très bien. Alors sur les côtés, ça fait 4,5 sur 3,5. Pareil, comme j'ai fait les angles, j'ai arrondi les angles, je vais faire pareil pour les côtés. Une fois que vous avez habillé, il suffit de décorer avec de toute petite découpe. Je vais essayer de faire comme j'ai fait. Et vous allez coller sur les petites bandes que vous avez fixé. Donc vous pouvez mettre et devant et derrière la petite bande. Alors dans ce genre de carte, vous allez du plus grand au plus petit, juste devant vous, vous vous mettez en plus petit pour que ça fasse vraiment une impression de profondeur. Et là, vous allez continuer à mettre votre petit écourt. Donc après, dans ce genre de carte, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre énormément de choses, on peut étoffer votre création. C'est vraiment mettre du volume. Et vous amuser vraiment. Avec toutes les petites volumes, il ne faut pas hésiter.
pour mettre un échoison. Quelque chose de très girly. Je pense que cette carte pour la fête des mères, ce sera vraiment très sympa. On peut s'amuser à y suspendre. Alors moi j'ai fait des petites fleurs pour décorer le dessus. Alors j'ai mis un petit peu de reflet. Yef, dans mes fleurs, donc je tourne un petit peu mes pétales pour donner un petit peu de volume à ces fleurs. J'ai juste légèrement colorisé avec une éponge. J'ai mis un petit peu en rose. Oh, mes petits papillons, j'en ai fait un blanc et un noir, donc le noir en dessous, et pareil, je ne colle que le corps du papillon sur le noir. Voilà, et pareil, le noir. Je vais les mettre juste comme ça sur les côtés. Hop. Ça donne du volume un peu à votre création, ces papillons. Voilà. J'ai fait une petite étiquette, ta vie courte, fais-toi plaisir. Je trouve que pour la fête des mamans, ça ira très bien. Et je vais la mettre un peu en biais, voilà. Et voilà, vous avez créé une belle carte, tout en volume, pour la fête des mères, ou pour un super anniversaire. Alors, je vous souhaite une bonne création, et puis à bientôt aux ateliers de Myriam.